Coucou tout le monde, c'est les notes pour ce sixième épisode du Let's Play sur Datura. Je tiens à m'excuser de l'épisode de la semaine dernière qui a été un peu court, hein, qui s'est terminé de manière un peu brutale. Suite à des problèmes techniques, j'ai le micro qui a lâché, du coup ça m'a perturbé, du coup j'ai arrêté l'enregistrement. Et j'ai dû redoubler par-dessus. Donc on s'est arrêté la dernière fois plutôt. Quand j'ai mis ma main dans ce tuyau qui faisait couler de l'eau, ça fait une espèce d'explosion et ça a ouvert la porte du château d'eau. Château de la tour d'eau, je sais pas trop exactement. Il y a les tuyaux qui ont pété, ça s'est cassé la figure. Donc, par ma force herculéenne de débile profond qui caresse des arbres et qui marche comme un demeuré dans une forêt, je réussis à ouvrir cette tour qui donc contient une espèce de bureau un peu bizarre qui contient un escalier où je ne peux pas monter, il me semble. Ouais, non, c'est fermé par une grille donc je ne peux pas y monter, et qui contient, hop, vous allez avoir là une espèce de corde, puisque si je regarde tout en haut je ne peux même pas. On va voir tout de suite ce qu'il y a. Parce que, hop, on va choper la corde. Et comme je joue un demeuré qui sait pas toujours ce qu'il fait, je chope une corde, je tire dessus. Et c'est vrai que c'est une cloche. Qu'est-ce que fait cette cloche dans cette tour qui ressemblait plus ou moins à un château d'eau? Je vous le demande. En la faisant sonner, j'ai ouvert le meuble. Et donc, révélé cette espèce de xylophone. Bon, c'est même pas cette espèce, c'est un xylophone. Donc, hop, je prends une des baguettes. Et j'ai juste à reproduire les notes qu'on me montre. Alors vous voyez, hop, c'est la maniabilité encore très réussie. Puisque une fois sur deux, je coince le bâtonnet dans le xylophone. Ah, est-ce que ça me gonfle quand ça fait ça? Encore une preuve que le jeu est très bien réalisé. Je vous laisse admirer mes talents de musicien. Alors ça aussi, le xylophone, c'est un instrument, enfin, une partie du jeu qui mène à choper un trophée, il me semble. Et donc voilà, j'ai joué du xylophone, ça se referme. Très bien. Du coup, je vais à nouveau sonner la cloche, parce que quand vous jouez du xylophone, il faut toujours sonner les cloches après. Maintenant, vous savez pourquoi on sonne les cloches à l'église, c'est tout simplement parce que le prêtre joue du xylophone tous les jours, et que, bah, après avoir joué du xylophone, il sonne la cloche, tout simplement. Donc voilà, je suis tombé dans la cloche. Oh là là. C'est pénible de jouer un débile comme ça, des fois. Je tombe dans une espèce de vague de fumée. Et il y a un gamin qui était lui aussi dans la cloche. Et qui m'a piqué mon bonnet. Eh, hey, reviens là, toi. Non, mais je rêve. Hein. Je me suis fait piquer mon bonnet par un gamin qui a un short orange en plus. Je dis, non, je suis désolé. Pas un short orange, c'est juste pas possible. Reviens là, si je t'attrape. Si je t'attrape, je te jure que tu finis à la flotte. Mais sans ton maillot cette fois. Parce que ouais, je suis cruel. Alors voilà, j'ai beau le poursuivre, il ne se passe rien du tout. On en est à deux fois le tour de la piscine. Le petit gamin en orange qui a piqué le bonnet de bain vert du héros est toujours en avance. Et je peux vraiment rien faire. J'ai essayé la
touche normalement quand j'appuie sur sur la. Ça me fait courir normalement quand j'appuie sur sur croix. Ouais, alors j'ai dû rater un truc parce que si j'arrête de courir, est-ce qu'il va continuer à courir et faire le tour? Eh, hey, il se marre, mais je vais le fumer, le gamin. Il n'y a pas moyen. Reviens là. Ah voilà, je l'ai chopé, on est tombés tous les deux à la flotte. Ok. Et combien vous pariez que je vais réapparaître à côté d'une cloche? Ou peut-être même dans la cloche, on sait jamais. Parce que oui, la cloche lui fait penser à son enfance. Donc voilà, je suis où? Je suis tombé je ne sais où. J'ai l'air d'être une espèce d'égout. Ouais, c'est ça, je suis dans l'égout. Donc on va ressortir. Hop, ok. Je comprends pas toujours les manips qu'il faut faire, c'est un peu gênant. Hop. Et me voici donc ressorti de l'égout, et cette fois-ci, hop, comme vous pouvez le voir, du côté de la cabane. Donc, j'ai fini la partie avec cette espèce de tour de... Non, c'est bien un château d'eau, hein. Mais c'est un château d'eau avec une cloche dedans, c'est tout à fait normal. Hop, avec l'égout juste là. Est-ce que j'ai d'autres... Le pont... Alors, au niveau des épreuves... La porte, on me dit que j'ai fait ça mal. Le labyrinthe, j'ai fait ça mal aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai pourtant chopé le papillon, il me semble. Peut-être le scarabée que j'aurais dû choper pour sauver le papillon. Et le château d'eau, j'ai fait ça mal aussi parce qu'on est tombés tous les deux dans l'eau. Ok. Donc voilà, ça maintenant, c'est absolument incohérent. Puisque bah, ça ne ressemble plus à rien, ça ne peut pas constituer une vraie histoire. Et que surtout, bah voilà, je suis déjà mort plusieurs fois par différentes méthodes. J'étais à la fois un enfant et un prisonnier. Et bah oui, c'est... voilà. Alors après, ça pourrait être, je sais pas, mon esprit qui me teste pour savoir si je suis quelqu'un de bon ou de mauvais, ou alors voilà, je suis sur le point de mourir, on va m'envoyer au paradis, est-ce que je mérite le paradis ou pas? Oh tiens, un arbre à caresser. Ça pourrait être ça. Seulement, je vais, je pense, directement vous spoiler que vous ayez fait les épreuves en noir ou en blanc, ça ne change strictement rien à la fin. Et c'est dommage parce que, par exemple, sur Heavy Rain, la dernière fois, ce qui a fait que j'ai aimé Heavy Rain, c'est que vos choix avaient un impact. Si vous choisissiez de tuer quelqu'un ou de ne pas le tuer, ça avait un impact sur la suite du jeu, ça avait des conséquences. Et là, eh bien non. Là, c'est tout simplement... tout simplement naze. Et on vous permet de faire des choix, mais qui n'ont pas d'importance. Alors là, vous voyez que, hop, j'ai à nouveau ce système de boutons pressoirs. J'ai le 6 et le 13 hein, qui sont sortis. 14, pardon. Et les deux autres qui sont encore, eh bien... encore poussé, ça veut dire que donc j'ai fait déjà. Il me reste des épreuves à faire dans cette zone pour pouvoir m'en sortir. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ouais, il y a un gamin là-bas sur l'arbre. Allez, on a encore le temps. Puis en plus, j'ai fait un épisode court la dernière fois. Je peux bien me rattraper. On va essayer d'aller choper le gamin. Est-ce que ce serait pas le petit, pour rester poli, le petit garnement qui m'a piqué mon maillot de bain? Non, mon bonnet de bain, pardon. Est-ce que c'est le même? Toi qui m'as piqué mon bonnet de bain? Qui ressemble bien, hein. J'ai enlevé quoi? Il m'a balancé un trognon de pomme. Mais reviens là! C'est pas possible ce jeu, on se fait agresser par les gamins tout le temps. Là, il veut que je le suive. Hein. Bah écoute, ok, je te suis. On va vers la cabane si tu veux. J'avance à deux à l'heure. Et un arbre, donc, avec tout plein de choses étranges accrochées. Des poils, des scies, des moulins à vent. C'est un arbre qui est renforcé par du métal.
par des cerceaux en métal et des clous. Oh, une pomme. C'est vrai que j'ai pas mangé depuis le début de l'aventure, donc hop. Ah! Revoilà mon ami le chasseur qui nous tire dessus. Apparemment, il a tiré sur mon petit camarade. Super. C'est peut-être pour ça le coup de la violence visuelle, je ne sais pas. Oui, si je me tourne dans le mauvais sens, voilà. Je suis en train de me faire canarder, donc hop, je vais me barrer. Derrière ce mur de pierre complètement cassé. Ah bah mon copain est là. Mon copain qui a l'air d'avoir pris une bastos quand même. Pendant que ce chasseur fou au pull rouge continue de me canarder. Donc une séquence qui est quand même assez... un peu stressante parce que d'un coup vous faites canarder sans trop comprendre pourquoi. Il est en train de recharger, ça me laisse le temps de passer derrière le mur. Très bien. Mon petit copain est tombé. Le chasseur a bien vu où on était. Je vais ramasser ce sale gosse. Parce que je suis pas le genre à laisser quelqu'un mourir derrière moi. Je pense même que je vais le traîner. Au pire, il se reprendra une balle. De toute façon, il est déjà en train de mourir. Non, je dis des choses affreuses, là. Mais en même temps, bon, bah, il m'a piqué mon bonnet de bain, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils comprennent que la vie, c'est pas ça, quoi. Le chasseur ne nous a pas vu, a priori, nous barrer en rampant. Du coup, je me casse en passant sous la barrière. La barrière a l'air de m'être tombée sur la tronche. Et si je me relève là, maintenant, après cette nouvelle vision, je ne peux plus aller par là. Le chasseur n'est plus là. Le gamin n'est plus là. Et voilà. Encore une fois, hein, dites non à la drogue, ça vous fait voir des choses un peu bizarres. C'est sur cette partie un petit peu étrange que je vais... que je vais vous laisser pour ce sixième épisode, et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois, puisque je ne sais toujours pas quand et comment je vais diffuser ce let's play. La prochaine fois pour le septième épisode, qui sera peut-être le dernier, parce qu'il me reste plus grand-chose, ou alors l'avant-dernier en tout cas. Bon bah voilà, je vous dis au revoir, et puis à la prochaine fois pour continuer à tripoter les arbres et à se faire tirer dessus par un chasseur chauve.